Ah oui, Seasons After Fall, j'ai hâte d'y jouer parce que voilà, c'est la douceur, tout simplement la douceur montpelliéraine à laquelle nous allons jouer tout de suite, hein. Il n'y a que des choses douces à Montpellier, il n'y a que des choses belles, il n'y a que des choses formidables. Et ce jeu en fait partie, bien sûr. Seasons After Fall, mesdames et messieurs, un peu de son, bien sûr, et nous allons y jouer. Cette fois-ci, j'imagine, à la manette. Alors, ça fait des notes de musique et presque de harpe hein, quand on descend dans le menu, écoutez. Formidable. Je suis trop content. Oh. Salut Cubotech, merci pour ton sub. Alors évidemment, le son va être extrêmement important, on va monter le son à foison. Et c'est donc parti pour jouer ce fameux renard. Oui, on a déjà fait Ori and the Blind Forest. C'est vrai que je vous ai dit juste avant qu'il n'y avait que 2 saisons à Montpellier, mais bon. C'est pas grave. Il était d'une fois. Contempler. Se déplacer. Je joue un être monocellulaire. Racine. Corneille. C'est pas grave, Oura, merci à toi. Japper. Ah. Je jappe. Les racines me laissent passer. Et je cogne les racines. Je cogne les trucs de lumière sans trop savoir pourquoi. Mais j'en ai envie. Oh. Ah, et le A est un dash vers l'avant. Par ici peut-être. Ah, c'est bien ce jeu, il n'y a pas besoin de parler. Moi, ça me fait du bien. J'ai l'impression de faire à moitié mon travail, mais c'est pas grave. Ça me fait plaisir. Je sais toujours pas à quoi ça sert de taper les petites lumières, mais écoutez, je le fais. J'ai plus l'impression d'être dans un flipper pour l'instant. Vous avez vu ce blaze ou pas? Je l'ai trop d'un coup. Oh, nous sommes comme emportés par le courant. Je remonte, que dois-je faire? Ah, je pense qu'il faut que je remonte. Tel un saumon remontant une rivière. Et je suis réembarqué dans le courant. C'est juste des obstacles. Ah ouais? Eh ben c'est pas grave. C'est juste des obstacles, on va arrêter de les taper alors. Ah zut. Ah mais ok, il n'y a pas de cooldown sur le dash. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Miam miam miam, je me suis fait manger. C'est pas grave? C'est game over ou pas? Non, c'est ce qu'il fallait faire. C'était en fait ce qu'il fallait faire. L'être monocellulaire devint un renard. Enfin, te voilà. Aïe!
Y a t'en as mis du temps à te réveiller, petite graine. Écoutez l'histoire. Si les gardiens étaient là, ils te mettraient sûrement en garde. Merci d'avoir. À force de dormir autant, tu pourrais bien un jour te perdre dans tes rêves et ne plus jamais te réveiller. Ouais, c'est exactement ce que diraient les gardiens. Mais t'as de la chance. Aujourd'hui, c'est moi qui t'accueille. Et je suis beaucoup plus jeune qu'eux, donc je te ferai pas la leçon. Tiens, notre deuxième invité arrive plus tôt que prévu. Voyons de quoi il s'agit. Petite graine, en l'honneur de cette journée particulière, je te présente ton cadeau. Oh, un renard sauvage. Oh, bah, c'est mieux que rien, j'imagine. J'aurais préféré un animal un peu plus malin, un peu plus beau. Un loup, peut-être. Il est trop mignon! Mais bon, tu sais quoi? C'est pas grave, on va faire avec. Ah! Cool, sympa l'accueil. Allez, je vais voir le renard. Et je vais donc... Approche-toi de lui. Pouvoir... Vas-y, n'aie pas peur. Doucement. Donc pouvoir gangréner cet hôte. Eh, pas trop près, tu vas l'effrayer. C'est à lui de venir vers toi. Ok. Eh ben viens. Allez, viens. Ah, du coup, il faut que j'aille là. Il va traverser là. Bien, comme ça. Oh mon Dieu. Maintenant, attire-le au centre du sanctuaire. Mais viens là. Que c'est con, les amis. C'est viens ça. Ici. Jusqu'au centre. Allez, viens là. Et voilà. Paix. Ne bouge plus, petite graine. Je m'occupe du reste. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais nous allons pouvoir intégrer son âme afin de pouvoir le contrôler. Et devenir un symbiote. Et voilà. Maintenant que t'as un corps, tu vas pouvoir aller rendre visite au gardien des saisons. Moi, j'ai pas le choix, je dois rester ici. Alors, par où commencer? Ah oui, je sais. Si tu suis ce chemin qui monte à l'est, et que tu t'aventures au-delà des hautes herbes, tu apercevras l'orée des bois. C'est là que se trouve le gardien de l'hiver. Il possède quelque chose dont j'ai besoin, et il n'y a que toi qui puisses aller le chercher. Ça va vite. Tu comprendras de quoi il s'agit quand tu le verras. Je préfère te laisser la surprise. Oh mon Dieu, j'ai pas envie de... J'ai pas envie de rater des choses. Un platformer, mais si je saute ici, est-ce que je rate pas les trucs qui sont en bas? Il y avait quoi en bas? Comment je peux savoir? Oh tant pis. Oh tant pis. Tant pis. Cric. Non, et puis tant pis, je retourne en bas. Trop frustrant de pas savoir. Sanctuaire. Alors là, ça fait genre c'est mignon et tout, les renards. Mais comment vous dire? Ayant côtoyé des renards, quand je vivais à Ashford City, en Angleterre, je peux vous dire qu'un renard, ça sait être d'autres trucs que mignons. Genre agressif, par exemple. Donc, cette banalisation de la possession est inadmissible. Donc ne croyez pas que le renard est forcément l'animal le plus mignon et le plus gentil qui existe sur la Terre. Enfin, plutôt passif, puisque vous savez qu'il n'y a pas de gentil et de méchant dans la nature, mais disons le plus passif, hein, et le plus mignon. Voilà, d'accord. Donc allez, va, petite graine. Cours, saute, profite de ton nouveau corps. Ouais, énorme, génial. Tu ne peux pas te perdre, je garderai toujours un œil sur toi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah pareil, je sais pas ce que ça fait si on reste en bas. Ah, il y avait du rouge. Du rouge. Attendez, j'ai pas vu. La base était contrôlée par les dieux très anciens, OMG. Ah, du coup, débat sur les animaux dans le chat. Pas de problème. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon écoutez, je m'aventure dans le monde, je ne sais pas trop quoi faire. Mais il n'y a pas de problème, c'est pas grave. De temps en temps, des graines sortent du renard et envahissent les décors.
sans que je le contrôle. Mais je continue d'aller. Alors, ça, c'est pas grave. Je continue d'aller sur le côté. Ok. Pas de problème. C'est vrai que j'ai l'impression de jouer au Roi Lion sur Super NES. Ok, alors visiblement j'ai raté des choses puisque je suis donc coincé. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ce truc? Oh, c'est un bumper. Ça alors. Déplie-toi petite racine et permets-moi de marcher. Ah, nice. Formidable. Tout va bien. Et la liberté d'expression du renard, mais c'est ce que je vous dis. Oh, les ancêtres. Les pierres des chouettes. Tu vois ces totems sur le chemin? Oui. C'est le gardien de l'hiver qui les a sculptés. Mais non. C'est spécial. Mais bon, avec d'aussi grosses pattes, ça doit vraiment pas être évident. Bah ouais. Ne lui fais pas trop de commentaires là-dessus quand tu le verras, ça pourrait le vexer. D'accord. Je suis tombé. Pardon. À gauche ou à droite? Aucune idée. J'ai pris à gauche par instinct. Je sais pas. Y'a un truc là? Un truc caché? Des secrets? Une warp zone? On peut pas faire de commentaires sur le fait que ces totems sont trop moches. Le gardien adore dormir entouré de ses totems. Suis-les et tu trouveras sa tanière à coup sûr. D'accord. Je dois donc suivre les totems chouettes. C'est pas par là, idiot. Les totems chouettes, où sont-ils? Ah, c'est un relais de signal! Excellent! Donc les méduses des arbres sont des relais de signal. Vous avez compris, les viewers? Qu'est-ce qu'elle fait, monsieur? Elle relaie le signal à l'infini. Pouette, pouette! Ah, il relaie plus. Ça ne relaie plus. Oh, c'est tout mignon, ce jeu, c'est tout sympa. C'est tout gentil. Moi, ça me fait du bien. Là, il y a un truc, là. Oui. Attends. Ah, c'est bon. Nice. Ah, mais je peux plus monter. Ce sera pour revenir, alors. Ah oui, c'est ici. Ce sera pour revenir. Ce sera pour revenir. Ah si, là, à gauche. Non, ça ne fonctionne pas. À moins que j'ai raté. Ouais, non. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Hein? Ah, pardon. Oh, il y a des totems chouettes, on devrait pas être loin du gardien. Pas de dégâts de chute, même quand il y a énorme chute. Ah, il doit être là. Ah, c'est sûr, il est là. Faut que je suive la méduse maudite. Ah, il est là, il est là, il est là. On va croiser le gardien de l'hiver. Oui. Oh, c'est un gros ours. Immersion du stream. Waouh, vous avez vu ça? Oui. Il faut que je monte sur son dos. Go!
sens que t'es sur le chemin du retour, petite graine. Avec le fragment d'hiver. Eh oui. Je crois qu'il essaye de communiquer avec toi. Qui va donc nous permettre, évidemment... Au Japon, tu devrais pouvoir le faire réagir. Tu peux japper deux fois de suite s'il est un peu dur de la feuille. Ah. Et voilà, il va donc nous permettre de changer la saison en hiver. Et de pouvoir avoir des bumpers supplémentaires, comme cette chose, par exemple. Ah! Ah, ce truc crache de la neige. Formidable. Mais alors, comment on va pouvoir switcher les saisons? On sait pas encore. Ce sera plus tard, très probablement. Oh, mais... Bah alors? C'est là qu'il va falloir... Ah! C'est là qu'il va falloir switcher, d'accord. Ok, j'ai capté. Et donc en fait, vu qu'on a le fragment d'hiver, il faut qu'on refasse deux fois d'affilée pour qu'il retransforme en hiver. D'accord. Là, si je refais deux fois d'affilée, ça retransformera en été. Ou whatever. Peut-être parce que je sais pas à quelle saison je suis. Peut-être vraiment, printemps. Tu m'impressionnes. Non, automne, peut-être. T'as été plus rapide que je le pensais, malgré ton renard. Comme quoi, il faut pas se fier aux apparences. Automne, le fragment se dirige vers le sanctuaire. Surtout, ne le perds pas de vue. Ouais, t'es caté. Allez, crache de la neige. Et splaf. Ah là, il y a un bumper. Le bumper actionnera peut-être le fait qu'il décrache, qu'il croche de la neige. Qu'il crache de la neige, pardon. Voilà. Vas-y. Loup, loup, loup. Grave longtemps que je t'ai pas vu en stream, du coup 10 balles pour fêter ça. Mec relou, pas au courant. Bienvenue à toi, merci. Re à toi, bienvenue. Et merci. 1000 euros qu'on va lui voler le fragment d'hiver. Ah bon? Le jeu ressemble à Ori and the Blind Forest. En fait, il lui ressemble pas vraiment, il est quand même plus peint. Et après, Ori and the Blind Forest est plus un jeu de plateforme qu'un jeu contemplatif. Alors que celui-là est plus un jeu contemplatif qu'un jeu de plateforme. Je trouve. Y'a quoi là? Il va me faire sauter dans l'autre sens? Eh non. Mais alors du coup, en hiver, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, ou alors... Ou alors là, je saute. Et là, hiver. Ah. Mais hiver, pourquoi faire? Qu'est-ce que... Ah non, ça l'a juste... ramasser. Enfin, quel idiot. À moins que je puisse juste... Pfff. Quel abruti, je pensais être coincé. J'étais en mode, mais attendez, je fais pas un assez grand saut. Bah en fait, si, bien sûr que si. Il y a pas de problème, il y a aucun problème. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dessine très mal, fragment d'hiver. Et en hiver, ça donne quoi, ce dessin moche? D'accord, c'était génial. Merci à toi vraiment de communiquer. J'imagine que le gardien de l'hiver t'a rien dit. Non. Ah, il faut l'excuser. Il est toujours très fatigué. Et un peu ronchon aussi. Ça reste entre nous. C'est même à cause de son mauvais caractère si les animaux évitent de rentrer dans cette forêt. Bah, c'est vrai qu'il avait l'air de manquer un peu de sommeil. Il lui faudrait peut-être une meilleure hygiène de vie. En termes de rythme de sommeil, je veux dire. Hein. Je critique pas du tout sa façon de se laver ou sa façon de s'alimenter. Les gardiens peuvent paraître sages, mais ils sont surtout très vieux. Si vieux qu'il leur arrive de dire n'importe quoi. Ah ouais? Bon, heureusement qu'ils sont là pour protéger les fragments. Il faudrait juste qu'ils apprennent à s'en séparer. Bah ouais. Ah, lui va cracher de la neige tant que j'ai rien besoin de faire. Ok. Ah, il est là. Il est là, l'actionnateur de... De boule de neige. Si je, si je me mets dessous, ça fait quoi? Je mets pas. Ah, ça fait rien. Ça fait rien du tout. Salut Manakiel, merci pour ton sub. Je sais pas pourquoi je fais ça en fait. Pourquoi je fais ça? On sait pas pourquoi je fais ça. Ah, peut-être qu'en le rebasculant en été, il se passera quelque chose. Au diable, l'avarice, vive les billets. Allez, ciao.
Merci Fly Michael Moore. Michael Moore plutôt. C'est très généreux de ta part. Message extrêmement généreux, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aura encore plein de splashers la semaine prochaine? Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, en nocturne, il y en aura, c'est sûr. Ah, c'est bien ce jeu, c'est tout doux, c'est tout gentil. Bah, moi j'aime bien. Fin de soirée en douceur. Il y a 4 piliers hein, pour chaque saison, j'imagine. Non, sinon, dans déjà un. Ah, bah si, ça doit être ça. Regarde, petite graine, le fragment est déjà en place. Il t'attend. Avance au centre. Vas-y, n'aie pas peur. Voyons voir. Alors, mais enfin, le air contrôle. Et donc du coup, je vais pouvoir changer... Parce qu'après, quand j'aurai plus d'une saison, comment ça va se passer au niveau des boutons? Je ne sais pas. On va voir. Bon, je vais devoir te séparer du renard. Ah! Le fragment peut réagir violemment lors de la fusion. Ah merde. Je vais faire bien attention, mais ça reste un processus dangereux. D'accord. Ce serait plus prudent que le renard reste à l'écart. D'accord. Éloignez le renard. Non, du coup, le renard, non. Pas à l'écart, du coup. Et là, il s'en va. Là, le renard s'en va. Pendant qu'on fusionne toutes ces merdes. Ah, wow. Le renard s'est barré. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de neige par ici. Maintenant, c'est l'hiver pour de bon. Je l'avais dit. Eh ben, en voilà un qui n'aime pas beaucoup les cérémonies. Tu devrais reprendre possession du renard avant qu'il s'échappe. Et le libre arbitre du renard. J'ai ici saloperie là, viens là, t'es où le renard là? Tiens! Je dirais qu'il aboie carrément le renard, c'est... Whip, whip. Écoute-moi non. Bien, petite graine. Non, ça ne marche pas. Il existe 4 saisons, 4 gardiens. Sérieux? Si tu fusionnes avec les autres saisons, tu pourras les invoquer librement. Mais pour ça, il nous faut des fragments. Eh oui. Le deuxième gardien habite un marécage, plus loin vers l'ouest. Je préfère te prévenir. Celui-ci ne se laisse pas approcher facilement. Alors tâche de te faire discrète. D'accord, mais du coup, comment j'invoque oui, l'été? C'est par là. Voilà, continue tout droit. Comment j'invoque l'été? Comment vais-je faire? Tester toutes mes touches. Tu sais, petite graine, j'ai pas l'air comme ça, mais je t'envie. J'aimerais bien, moi aussi, pouvoir courir, sentir le vent, la glace sous mes pattes. Mais je peux pas. Pas avant que nous ayons rassemblé tous les fragments. Il nous les faut si on veut pouvoir accomplir le rituel. Pas de problème. Alors vous, évidemment, vous ne le ressentez pas, mais il y a des petites vibrations dans la manette. Quand par exemple, le je fais une chute un peu saisons, haute. C'est comme ça que les gardiens l'appellent. Quand je marche sur la glace. Je sais pas bien en quoi ça consiste, mais j'ai plusieurs fois entendu les gardiens en parler. Très agréable pour l'immersion. Le rituel des saisons peut changer le cours d'une vie. Si c'est vrai, ça signifie qu'il pourrait changer la mienne. Et la tienne aussi. Merci Jupiter. Tu pourrais enfin quitter le sanctuaire et toi, tu pourrais... Je sais pas... Tu pourrais réaliser tous tes rêves. Tu dois bien en avoir des rêves. Une rêve en tant que graine, j'aimerais pousser peut-être. Salut Kimber27, merci pour ton sub. Le bourbier. Qu'est-ce que... Un Bernard l'ermite. Viens ici. 4 saisons. Vivaldi. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est derrière? Un énorme mob. Full DPS, phase 2. Les tanks à l'entrée de la salle. Les heals. Il est. Alors, je suis coincé. Ah non, il y a ce passage. Ah oui, ce passage qui mène donc à l'arbre. Mais saute. Désolé, quand c'est pas du speedrun, j'arrive pas. Bien joué ça, quoi? Petite vibration là par exemple, vous voyez?
Là, il fallait faire saut, puis cri. Ce qui n'était pas évident en termes de mécanique de gameplay. On met l'air contrôle. Attention, petite graine. Quoi ? Tu es sur le territoire du gardien de l'automne. Ah merde. Il peut être parfois... Ça se voit. ...imprévisible. Prends garde à ce qu'il vous abîme pas, toi et ton pas ça ouf, la glace sur les pattes. C'est vrai que la glace sur les pattes, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'envier au renard, quoi. C'est pas... Ah, moi aussi, petite graine, j'aimerais mourir de froid. Oh. Un énorme héron cendré vient de passer dans le fond. C'est le gardien de l'automne, le héron cendré, vous croyez ? Ça n'aurait pas vraiment de sens. Je sais pas si c'est la saison préférée du héron cendré. On va dire que c'est pas un héron cendré. Oh, je vais tout droit, hein. Je sais pas ce qui se passe. Ah, si tu entends le vent siffler, c'est que le gardien ne doit plus être très loin. Fais bien attention. Bien joué. Allez, paf! Oh, qu'est-ce que... Où va-t-il? Qu'est-ce que... Où va-t-il? Où va-t-il? Suivez-le, il s'enfuit. Il va de l'autre côté, c'est ça? Ouais, ok, dégage. Il m'ennuie! Ah, oh! La mocheté! C'est un signe! C'est Y! Je vais éternuer. Mon nez qui gratouille. Le héron. Ah oui, lui aussi, il va falloir lui faire changer les saisons. Ah, et du coup... Est-ce que je peux monter sur l'eau ? Enfin, je peux monter sur l'eau. D'accord. Donc, il y a un truc à faire avant. Sur quelque chose. Le Bernard l'ermite me saoule. Il est énorme. Oh, je peux peut-être sauter sur lui. Raté. Faut qu'il aille ici. Viens là, le Bernard l'ermite nul. Il est où? Faut que je le ramène ici. Je vais le ramener là, ça doit faire un truc. Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Il est là. Reviens sur le côté. Non, 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 arrête ! Oh, je le vois, il est là. Ah, maintenant il est gros et du coup il se déplace plus lentement. Il va se mettre dans son petit truc là. Et j'imagine qu'après, il va pousser. Stop ! Non ! J'ai raté, putain. Pas, il va aller bien plus loin. Ouais, bien sûr. Non, c'est pas bon. Hein. Paf! Oh bah. Oh, j'étais sûr que c'était ça. Alors, est-ce que tu peux faire quelque chose dans l'eau? Si je fais. Hop! Oh, oh! Formidable! Maintenant, on change. Et là, il va être deg. Là il est deg. Maintenant je fais ça et ça l'explose. Trop facile. Hallucinant. Alors attends. Poète poète. L'automne. Ah.
La feuille d'automne emportée par le vent. En nom de mon automne. Colchique dans les prés, fleurissent, fleurissent. Colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. Je grave de bonne humeur ce soir, c'est dingue. En plus, le jeu nous met tous de bonne humeur, alors tu vois, comme ça. Alors que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que c'est que ce truc moche qu'on a l'impression qu'on peut passer mais qu'en fait on peut pas passer? Attendez. Comment ça, Bernard l'ermite? Mais non, mais toi bien. Il est vivant. Il est vivant. Alors que se passe-t-il? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons rien du tout. Nous avons version hiver, un truc moche ici. Et version automne, un truc moche ici. Rien ne change, absolument rien du tout. Ça veut dire que c'est peut-être avant. Mais attends, mais il n'y avait pas un autre Bernard l'ermite là? Genre là. Ah mais si! Ah, il ne pop qu'en hiver. Il va donc falloir le faire exploser. Ah. Fais quelque chose. Explose là-dessus. Va t'amener dans l'eau, il faut que tu exploses ici. On n'a pas le choix. Non, il faut que faut qu'il grossisse d'abord. Je sais plus comment je l'avais fait grossir. Grossir. Saute. Non, tu vas pas sauter. Comment j'avais fait pour le faire grossir? Ah! Ah, juste à l'automne, il grossit. Mais fallait le faire d'abord un changement. Ah! Ok, j'ai pas trop compris comment je... Mais non! Et là, un seul. Et braf! C'est bon, le gardien de l'automne a fini par se rendormir. Mais on est arrivé. Tu risques plus rien. Suis le fragment qu'il t'a donné. Et c'est forcément comment rejoindre le lac. D'accord. J'arrive. Attends, je pensais faire un saut assez haut pour faire ça. Et donc là, ça veut dire qu'il va falloir faire le PGM. Voilà, ce move. Hein. De Bernard l'ermite. Bon sang de bonsoir. Ah, il saute. Non. Salut J-Bay, merci pour ton sub. Ok, donc en fait, quand il passe dans l'eau, il grossit. Ce. Génial. Merci pour ton sub, J-Bay. Bon allez, et de 1. Paf. Merci de m'avoir aidé. Et là, il va y avoir un autre truc, j'imagine. Voilà, une autre flaque d'eau. Et là, voilà, de l'eau. De l'eau ainsi que de l'eau encore. Et de l'eau. Mais pourquoi faire? C'est-à-dire que, où est-ce que je suis coincé? Ah, c'est juste un bonus. Et qu'est-ce que ça... À quoi pourrait bien-t-il servir l'autre? Pourrait-il bien servir l'autre Bernard l'ermite? Y'a quoi là? Rien du tout. Peut-être que c'était un deuxième essai, mais ça m'étonne. Ça m'étonne. Bon, peu importe. Ah là, y'a carrément des... Oh là là, attendez. Plein de trucs là, j'ai vu des feuilles. Comme des vieux feuilles. Attendez. Voilà, viens ici. Ah, excellent. Et donc là. Non, faut d'abord que j'aille là-bas, d'accord. C'est à ça que servirait l'autre. Autre dingue. Pouette. Oui. Yahoo!
Salut Drachnox. Merci pour ton sub, Drachnox. Bienvenue, Drachnox. Alors. Et plaf, de la neige. Paf. Bon. Formidable. On s'en est sorti. L'autre Bernard Lhermitte devait servir à un secret ou quelque chose comme ça, mais... Du coup, tout va bien. Vous me direz. Flac. Là, j'ai failli dire, est-ce qu'on a la portée? Est-ce qu'on va bien pouvoir faire si on n'a pas la range? Et donc là, nous ne l'avons pas, bien sûr, hein, évidemment. Il doit y avoir un Bernard Lhermitte quelque part. Ah mais non, attendez. On sait pas ce que ça donne au niveau automne, ce truc. Parce que là, il y a de l'eau, évidemment. Bon, là, ça fait tout fondre, on est extrêmement d'accord. Mais du coup, ça fait quoi quand on nage? Il est tout mignon quand il nage. Ah, on peut plus sauter. Il fallait que je saute avant. Ah. D'accord. Hop, je monte direct. Hop, je monte direct. Mais non. Vous voulez dire que si on... Ah mais ouais. Ah, il est plus bas. C'est dingo ça. C'est-à-dire que là il est... Ah ouais. Il est plus bas. D'accord. Mine de rien, pour une si petite graine, t'es drôlement futé, hein. Pas mal, hein. Et tu vas voir, une fois que t'auras absorbé ce deuxième fragment, tu le seras bien plus encore. Je pensais pas qu'il réduirait de moitié. En fait, je l'avais vu tout à l'heure, mais je me pensais pas... Enfin, je pensais pas avoir bien fait le truc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nouveau dessin. Oh mon dieu. Eh ben, il a dessiné l'arbre. Eh ben, il est content, il veut une médaille. Il veut une médaille, le fragment de l'automne. C'est ça. Allez, on se casse. Hein. Ah, normalement, je suis censé avoir les pattes complètement gelées dans le lac, hein. Passer d'eau à glace comme ça, ça aurait dû me coincer les pattes et je vais faire... Bon, c'est irréaliste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime pas trop jouer aux jeux irréalistes, mais bon. Il va falloir s'en contenter, je pense. C'est pas grave. C'est pas grave. Oui? Un arbre qui pousse à cette vitesse? C'est pas réaliste. D'accord, la graine de l'automne est prête. Donc fusion, tout le bordel, on connaît la chanson. On éloigne le renard, on reprend le renard. Mais donc si on doit récupérer les 4 saisons et qu'on récolte l'hiver puis l'automne, puis l'été puis le printemps, admettons, quelle était la saison de départ? Ah! Bon. Allez. L'automne. Comment on va faire pour switcher? Ah, ça va être l'une puis l'autre. Ça va pas être genre on choisit, je pense. Ça va être l'une puis l'autre peut-être. Je sais pas. On va voir. Fusion. L'automne, ses couleurs, ses odeurs. C'est vraiment ma pas. Saison préférée. À Montpellier. On pourrait profiter de ce moment si seulement ton renard se tenait tranquille. Il ça doit pas va. Beaucoup apprécier qu'on se serve de lui, mais on n'a pas d'autre animal sous la main. Et ouais, on est pas à mi-chemin, donc il va falloir qu'il nous supporte encore un petit moment. On n'a pas le choix. Essaye peut-être de le rassurer. Où il est? Il est où? Il est encore à droite? Ah, il était à gauche et nous avons perdu 20 secondes. Allez, on va de l'autre côté, c'est parti. Non, mais ça va, le renard, il est sympa. Non, je sens que la voix féminine, à la fin, ça va faire « Je suis Yogg-Saron, votre pire cauchemar !» Et là, ça va être le raid. Raid 40 joueurs. On va éviter de tourner tout madness. Bon, allez. Toi, au moins, il t'apprécie, c'est déjà ça.
Trop marrant. Tu l'avais promis, Tigrane. Maintenant que tu as absorbé deux saisons, tu peux les invoquer librement. Chaque saison est unique et transforme les éléments qui t'entourent. N'hésite pas à utiliser le pouvoir des saisons où tu veux et autant de fois que tu veux. Mais t'es caté, je vais pas me gêner. Alors, petite graine, quelle région vas-tu explorer maintenant? Ah! Nous saurons ça après la pause. Quelle région va-t-on explorer maintenant? Eh bien, vous aurez la réponse à cette question dans 5 petites minutes après la pause sur Season After Fall. Je vous dis à tout de suite, dans 5 petites minutes, ne bougez pas.